Bonjour, bonsoir les amis. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de AMC. AMC, c'est une action qui a juste littéralement explosé, qui a pris, vous le voyez ici, 3600% depuis le début de l'année. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que cette entreprise elle a découvert quelque chose de génial Est-ce qu'elle a réalisé quelque chose d'incroyable Ou est-ce qu'on est en train finalement de rentrer dans une phase de folie boursière incontrôlée, incontrôlable. Donc tout d'abord, AMC, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ça. Euh, ce sont des cinémas. Euh, donc, c'est une boîte qui possède plusieurs salles de cinéma. Et comme vous pouvez l'imaginer, en 2020, ça ne s'est pas très bien passé pour AMC, puisque cette boîte était au bord de la faillite. Hein. Personne n'allait au cinéma, les salles de cinéma ont été fermées. Cette boîte a perdu beaucoup d'argent. D'ailleurs, ici qu'on va étudier les chiffres de AMC, vous voyez ici, donc, le chiffre d'affaires, 1,2 milliard en 2020. Et regardez les revenus, ce qu'elle a gagné, les profits, moins 4,5 milliards de dollars. Les actifs sont de 10 milliards, d'accord Les dettes, 12 milliards. Et puis, on voit que la boîte, elle est quand même. Elle a, elle a pas mal de dettes par rapport à ses actifs. Et puis, voilà, on voit que ben, les chiffres ne sont, pas, ne sont pas bons du tout pour, pour AMC. Donc, euh, pourquoi cette boîte a tout déchiré. Aujourd'hui, elle a une capitalisation qui dépasse les 30 milliards de dollars. Et justement, comment finalement cette boîte, aujourd'hui, elle a progressé de plus de 100%, elle a progressé de 3000% depuis le début de l'année. On voit une progression vertigineuse du titre, vertigineuse. Et donc, euh, AMC, Salle de Cinéma, etc., est-ce qu'il n'y a, est qu a pas un truc qui, euh, qui cloche avec tout ça Ici, vous voyez, il euh, y a ce titre de Bloomberg qui est juste énorme. C'est qu'aujourd'hui, AMC vaut plus que la moitié des boîtes du SP 500. Le SP 500, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les 500 plus grosses boîtes américaines. Et aujourd'hui, AMC vaut beaucoup plus que certaines boîtes très importantes comme Tyson Food, comme Delta Airlines, etc. Euh, aujourd'hui, ça vaut, vous voyez, 31 milliards de dollars de capitalisation, alors qu'auparavant, euh, l'année dernière, la capitalisation était de 250 millions de dollars à un certain moment. C'est juste pour vous dire qu'on on on est en train de vivre un truc de dingue. Et vous voyez ici, il y, y, y a ce schéma qui est très, très représentatif du, 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 du phénomène qui est en train de, euh, de se passer aujourd'hui. C'est qu'on voit… Pendant pas mal de temps, d'accord AMC voilà, fait partie des petites capitalisations du Rossol 2000, puis ensuite a intégré les moyennes capitalisations, les grosses caps médianes, et on est effectivement aujourd'hui dans les grosses caps. Et vous voyez le titre une, une hausse météorique. Euh, et AMC passe de petites capitalisations aux larges capitalisations en quelques mois. Même Tesla n'a pas fait ça. C'est un truc juste de dingue. Et vous voyez ici, ça valait un peu moins de 500 millions de dollars l'année dernière. Et vous voyez ici la capitalisation, 1000 milliards, et on voit les 300 millions, 200 millions. Et on voyait que pendant pas mal de temps, ça valait 200 millions, 300 millions, 500 millions, 1000, euh, 1 milliard. Mais là, on est sur du 30 milliards de dollars de capitalisation, ce qui est juste, euh, ce qui est juste dingue. Euh, on parle, alors moi je vous ai montré le graphe, hein, vous voyez ici ce graphe, on voit depuis le plus bas, hein, euh, au niveau atteint, c'est 3500 de performance. Mais ici, on parle effectivement d'un gain de 2900 cette année. Euh, voilà, l'action la, ces deux dernières semaines. On a eu une hausse vertigineuse. Vous voyez ici, les deux dernières semaines, la hausse qui est vertigineuse euh, avec un titre euh, effectivement qui Je explose. T'as pas à comprendre, qui passe effectivement de 12 dollars à, à 72 dollars au plus haut. Et sachant que là, ça valait 1,89$, c'est encore mieux que les cryptos, j'ai envie de dire, parce que en plus, tu es sur une bourse régulée compagnie. C'est juste du délire ce qui se passe euh, aujourd'hui, il faut, faut le dire, hein, c'est juste du, euh, du délire. Alors pourquoi effectivement euh, cette hausse Qu'est-ce qui se passe Eh bien vous voyez ici, on a encore une fois eu droit à un phénomène de foule, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, Reddit et compagnie, aujourd'hui, on est en train d'assister à quelque chose d'inédit dans l'histoire de la finance, c'est-à-dire que... Auparavant, on avait finalement, voilà, c'était assez classique, on avait des analystes financiers qui allaient analyser une boîte, qui allaient élaborer, voilà, une, une note, d'accord Et bien évidemment, noter euh, une boîte et lui donner un rating, c'est-à-dire est-ce que cette boîte, on l'achète surpondérée, souspondérée, à l'écart, etc. Bref, les analystes financiers allaient faire le job. Ensuite, on a les gérants et les traders, d'accord qui vont analyser ces données, etc., et qui vont se dire, OK, est-ce que cette action, elle est sous-évaluée euh, Est-ce qu'elle a du potentiel Est-ce que la stratégie est bonne est -ce que le Bref, le management est bon, etc. C'est ce que l'on appelle communément l'analyse fondamentale. On va analyser les bilans, on va analyser les bénéfices, on va analyser la manière dont c'est géré, on va analyser le potentiel à long terme. Bref, on va prendre en compte plusieurs données. Fondamentale. Et bien évidemment, on a également ce que l'on appelle les analystes techniques, qui eux vont se baser sur les niveaux, sur la psychologie, sur euh, la cassure de résistance, etc., etc. Et donc ces deux écoles euh, qui peuvent parfois être complémentaires, parfois être en totale euh, opposition comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment le monde des traders et des analystes techniques. Quoi. Et le, je suis désolé, hein, mais j'ai presque envie de dire qu'un analyste fondamental, il n'a rien à dire. Là. Il n'a rien à dire parce qu'il n'y a rien à dire. Et, et je, encore une fois, attention, je n'ai rien contre l'analyse fondamentale. Moi-même, j'ai fait des études d'économie, j'adore l'analyse fondamentale, mais là, il faut, il faut appeler un chat un chat. On n'est plus dans les fondamentaux, là. on est complètement déconnecté de la réalité économique. Et c'est ça ce qui fait peur. D'accord C'est-à-dire qu'aujourd'hui... On est rentré dans une économie casino. Et justement, c'est ça. C'est euh, on parle de mentalité casino. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un phénomène où on va analyser froidement une action. Euh, Est-ce qu'elle est un peu à la Warren Buffett, quoi euh, Les actions value, euh, la vraie valeur, la valeur fondamentale, euh, le, le les bénéfices futurs, le potentiel. Euh, voilà. Non, non, non. Il n'y a plus de consensus. Aujourd'hui, on est face à des phénomènes de foule, d'accord Et c'est vraiment, il faut le comprendre. Et est-ce que ça va durer tant qu'il n'y a pas de régulation, je dirais, de régulation euh, sévère Oui, ça va durer, oui. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de gens qui ont compris qu'il y avait des trucs à faire. Alors, bien évidemment, tout le monde ne va pas gagner. Moi, pour moi, il n'y a pas plus de 10 de gens qui gagnent. Mais il y en a qui sont malins. Il y en a qui ont compris comment ça se passait. Il y en a qui, ont, qui lancent les trucs, il y en a qui sont patients, parce que pour moi c'est du pur trading. Là, on n'est plus dans l'investissement à long terme, on n'est plus dans, dans, de, dans de la finance classique, traditionnelle, etc. Et alors encore une fois, je vais vous rassurer, moi je, euh, je, je ne dis pas euh, que dans ces situations il faut rien faire ou euh, voilà, nous on a, et je le dis hein, au sein de la TKL, on a des stratégies. Pour l'instant, on est acheteur sur le marché. C'est vrai que ça fait un an que et plus, et même moi dans mes vidéos, quand tu vois les fondamentaux et quand tu vois ce que fait la bourse, tu dis il y a un problème. Mais en fait, le problème il peut durer pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Ça peut durer. Et donc à un certain moment, c'est clair que on a cette, cette difficulté qui est de se dire ok, qu'est-ce que je fais J'attends, j'attends un crack, j'attends un retournement brutal. Où est-ce que je me positionne Et bien évidemment, et je le dis et je le répète, et, et encore une fois. Euh, certaines personnes vont me dire, ouais, Tammy, tu te répètes. Oui, je me répète parce qu'encore une fois, même si tu le répètes 10 fois, 20 fois, 100 fois, c'est pas assez. Euh, C'est-à-dire, encore une fois, beaucoup de gens sont dominés par leurs émotions en bourse et je le vois même parmi mes étudiants. C'est-à-dire que euh, ce que je vais te dire aujourd'hui, dans deux minutes, tu vas l'oublier. Pourquoi Parce qu'il va y avoir une nouvelle, nouvelle news et puis une autre, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième. En fait, aujourd'hui, c'est ça le truc, c'est qu'il y a trop de bruit. Et comme il y a beaucoup de bruit, c'est difficile de faire la part des choses. C'est difficile de rester neutre. C'est difficile d'avoir une perspective long terme. Et ce qui va vous sauver, c'est la stratégie. Et la stratégie, ça va vous sauver en bourse, dans le business, mais également sur un plan perso. C'est quoi une stratégie Je vais définir la stratégie. La stratégie, c'est comment tu te vois, par exemple, dans un an. 5 ans, 10 ans. D'accord La stratégie c'est un ensemble de règles. D'accord La stratégie c'est un système. Et ces règles elles sont pas des règles, c'est pas des règles aléatoires, c'est pas des règles genre ouais euh, allez euh, je lis deux trois trucs, je regarde deux trois vidéos et yopi, yeah, j'ai des règles. Non, c'est un truc il faut du backtesting. D'accord Il faut des données. Il faut des stats. D'accord Il faut énormément d'éléments pour justement forger vos règles. Une fois que tu as tes règles et que tu as ton système, qu'est-ce qui se passe L'idée c'est pas de réinventer la roue. Moi je le vois encore une fois. Euh, nous on a un système, on a une stratégie. Et qu'est-ce qui se passe Toutes les semaines, je vais avoir un étudiant qui va me dire "Ouais, mais Tami, là, les taux d'intérêt, mais y a ceci, mais y a cela." Et en fait, moi mon job et je le vois. C'est pas de, de leur dire il ouais, bah, y a une nouvelle règle. et puis, Non, non là, c'est tu, tu, tu fais du gros n'importe quoi. Non, mon job, c'est de dire regardez les règles, regardez les tests qu'on a fait, regardez le process, regardez l'historique. Et à un certain moment, il faut avoir confiance dans sa méthode. Warren Buffett, on s'est foutu de sa gueule. Pourquoi Parce qu'il n'a pas eu une bonne performance. Mais le gars, il est multimilliardaire. C'est l'un des hommes les plus riches au monde. Mais il y a toujours des, des gars qui vont se foutre de sa gueule, alors que les gars, ils ont 2000 euros sur leur compte bancaire. C'est-à-dire, chercher l'erreur. C'est comme, encore une fois, le Nas du coin, il est dans son bistrot et il va critiquer un joueur de foot alors que le mec il serait incapable de faire le 1 un millième d'un joueur de foot. On est d'accord. C'est la même chose avec Warren Buffett. C'est la même chose avec moi, en moindre mesure. Mais voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu vas toujours avoir quelqu'un qui n'a rien foutu et il va la ramener. Et donc, à un certain moment, Warren Buffett, sa force, c'est quoi c'est qu'il a un système, c'est qu'il a des règles, c'est qu'il a une vision long terme. Et c'est ce que beaucoup de gens n'ont pas, et c'est ce que vous devriez avoir. Donc, euh, on voit bien que aujourd'hui, on est clairement dans une situation, euh, bah, je dirais, euh, voilà, inédite hein, dans l'histoire économique. Et vous voyez, AMC GameStop goes beyond casino mentality. Au-delà du casino, et voilà, on est dans un phénomène où les, les, les joueurs sur Reddit, les, les forums, etc., sont en train de faire euh, la donne, le jeu en bourse. Aujourd'hui, ce c'est plus les analystes financiers qui sont payés des millions, ou CNBC, ou BFM, ou non, on s'en fiche de tout ça. C'est pas méchant ce que je dis, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu as des forums, tu as des gens, ils se passent le mot. Et à partir de là, on a un phénomène de foule. Alors, et c'est là où je vous dis, les fondamentaux sont morts. Ils sont morts. Il n'y a plus de fondamentaux. Et bien sûr, quand tu prends l'analyse technique, moi je suis désolé, c'est magnifique. On a la, la, la zone de neutralité, tu casses, tu casses par là, là, tu as... Et puis, tu as... Tu as après, est-ce que tu peux anticiper un truc comme ça Non. Mais tu peux le voir venir. Tu vois que derrière, euh, les indicateurs sont positifs. Tu vois que derrière, il commence à avoir, on commence à avoir des volumes. Vous voyez les volumes On voit des volumes. On voit la participation de, 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 de particuliers. On voit que le mot se passe. Et on voit que même les vendeurs à découvert, aujourd'hui, sont complètement largués. Les, les vendeurs à découvert ne font pas le poids aujourd'hui. Donc, euh, on est aujourd'hui dans, un, dans une situation... Que j'appellerais euh, bah, une bulle spéculative. Hein. On peut la nommer de bulle spéculative. Alors, bien sûr, la bulle spéculative, il y a plusieurs, plusieurs choses qui la décrivent. On a tout, tout d'abord le concours de beauté de Keynes. Hein. Je vous en avais déjà parlé, le concours de beauté de Keynes. Keynes, c'est un grand économiste. C'est pour moi l'un des plus grands économistes du XXe siècle. Et Keynes, il a dit voilà, euh, une action, elle ne monte pas parce que derrière, il y a les fondamentaux, etc. Elle monte parce qu'il y a des gens qui l'ont acheté. Et les gens se disent Est-ce que j'ai intérêt à l'acheter parce que les autres l'ont acheté On est dans un phénomène de On ne va pas noter une action, on ne va pas acheter une action parce que les fondamentaux sont bons. On va acheter une action parce que tout le monde l'achète. C'est clairement un phénomène de bulle spéculative, et ça nous amène à ce que l'on appelle les prophéties autoréalisatrices. Ça veut dire quoi une prophétie autoréalisatrice Ça veut dire que à un certain moment, il y a un phénomène. Qui s'enclenchent, d'accord Et comme finalement tout le monde se dit, bah, ça va continuer de monter, même si derrière il n'y a pas de fondamentaux, ça monte parce que tout le monde y croit. Ça s'auto-réalise, d'accord Et c'est ce qui est aujourd'hui en train d'arriver. Et donc, euh, on a également le dernier point, ça c'est la finance comportementale, ce que l'on appelle le biais momentum. Et le biais momentum, c'est quoi C'est encore une fois le fait d'extrapoler l'évolution récente. C'est-à-dire que beaucoup d'investisseurs, ils arrivent en bourse, ils voient un truc qui monte, ils se disent, ça va continuer de monter. Pourquoi Parce que on a eu dans le passé une hausse. Donc, on va extrapoler un mouvement en se basant sur le passé. Et ça nous rappelle, encore une fois, l'analyse technique. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de savoir ce qui se passe, tu as juste besoin d'analyser les données précédentes. Alors, bien sûr... Euh, je, vais, je, vais, je sais qu'il y a des analystes financiers, ils vont me dire Oh, scandale, as mis euh, les fondamentaux, mais c'est la réalité. Et prenons, je sais pas moi, quelqu'un qui s'appelle Stiglitz, hein, c'est un prix Nobel d'économie. Et il a dit la même chose il a dit qu'effectivement, les, les investisseurs allaient se baser sur l'information. C'est-à-dire, tu ne vas pas analyser, parce que tu n'as pas, pas les moyens, un particulier, il n'a pas les moyens d'analyser le bilan il comprend même pas ce que c'est un bilan et il s'en fiche du bilan. Mais par contre, il va analyser ce que font les autres. Alors, là, j'ai résumé un petit peu la situation. Maintenant, euh, on est d'accord qu'on est dans un marché purement psychologique, euh, phénomène de prophétie autoréalisatrice. Est-ce que la situation, elle va euh, durer euh, À mon sens, non. Euh, on est en train de, de vivre une situation à haut risque. Et pour moi, clairement, euh, on est aujourd'hui dans une folie euh, collective euh, inégalée dans l'histoire économique, qui à un certain moment va trouver une fin. Maintenant, le seul problème, c'est quand. Et ça, on ne peut pas le savoir et personne ne peut le savoir. Et c'est là, encore une fois, et, et, désolé de me répéter, où en fait, tu es, es piégé. Tu sens, moi, je sens que c'est malsain, moi perso. Mais j'investis. Et j'investis en fonction de règles. Alors bien sûr, je, 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 voilà, je réserve ça à mes étudiants, etc. Je leur montre ce que je fais, et c'est tout à fait logique. Mais bien sûr qu'on sent qu'il y a un énorme risque. Mais le truc, il est là. C'est est-ce que tu ne fais rien, et la bourse peut monter pendant cinq ans Est-ce que tu fais aujourd'hui, et tu peux te retrouver avec un crack dans un mois Est-ce que, en fait, on se retrouve entre ces deux scénarios, parce que c'est ce probablement ce qui va arriver. Et bien sûr que je ne me mouille pas parce que j'ai pas à me mouiller et parce que c'est ma, malheureusement la réalité. Euh, pour le moment, quand je regarde les indices, euh, bah, je n'ai pas de, 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 de signal vendeur. On va regarder le SP. Ça veut pas baisser, quoi. Alors tu peux, oui, ouais, il y a des... Non, il n'y a pas de baisse pour le moment. On va prendre ça. On va le mettre sur un graphique mensuel. Ça ne veut pas baisser ce truc. Il n'y a rien de négatif. Regardez ici. Ça, c'était la crise des subprimes. C'était là. Vous voyez la tendance, elle était clairement baissière. On a cassé des gros niveaux. Ici, le seul truc en mars 2020, c'est ça ce qu'on a eu. Mais on n'a jamais cassé. Voilà, les 240. D'accord On a eu une petite cassure, hein mais on a réintégré. Et puis, on a cassé les précédents. On est toujours haussier. Maintenant, euh, il faut attendre une vraie faiblesse. Et la faiblesse, regardez ici, sur la partie… Alors, je sais que je me mouille en vous disant ça. Vous voyez, ici, dans les années 2000, on a eu deux cracks majeurs. On a eu ce premier, ce premier marché haussier, d'accord, qui a duré, euh, vous voyez ici… Alors, bon, j'ai 93, ce n'est pas grave. Hein. Euh, ici, de 94, là, on avait, je pense, euh, l'Irak et compagnie. Et puis, regardez, on a eu un marché haussier qui était juste phénoménal. On a eu une seule baisse en 1998. Et puis le marché a continué. On a eu cette première baisse, qui est finalement euh, la bulle des valeurs technologiques, d'accord Qui a éclaté. Le Nasdaq, c'est pire, bien sûr. Et puis on a eu la deuxième baisse, c'est la crise des subprimes. Et vous voyez, à chaque fois, on était sous cette zone de neutralité qui, pour moi, est extrêmement puissante. Et ça, encore une fois, c'est un graphique mensuel. Sur du weekly, on va avoir un signal plus rapide, d'accord Et tant mieux. Mais on voit qu'on a eu ces deux grosses jambes de baisse. Donc, on a un marché haussier, grosse baisse, marché haussier, grosse baisse. Maintenant, quand tu as une baisse, généralement, tu commences à avoir des signaux et un signal de retournement. Là, aujourd'hui, on n'a rien du tout. On n'a rien du tout. Alors, oui, euh, on peut l'avoir. Et clairement, ceux qui te disent c'est la fin du monde, etc., ils auront raison un jour. Et, et bravo, tant mieux. Mais moi, encore une fois, je fais partie de ceux qui disent bah, la fin du monde, prouvez-le-moi. Et prouvez-le-moi avec des signaux. D'accord Là, rappelez-vous, la semaine dernière, je, enfin, il y, y a quelques semaines, on avait ce niveau des 400. On a corrigé, puis on est reparti à la hausse. Et là, pour le moment, on n'a rien. D'accord Maintenant, premier, premier niveau pour moi, c'est-à-dire encore une fois, c'est ça. Le problème de, de la bourse, c'est que beaucoup de gens essaient d'anticiper. Parfois, tu n'as pas besoin d'anticiper. Premier niveau, il est là. Mais même en cassant ce niveau, les indicateurs, ils sont toujours méga aussi. Et ça veut dire que ça va être une correction à court terme. Ça ne va pas être une correction à long terme. D'accord Pour avoir une correction à long terme, il faut vraiment casser un niveau pareil. C'est ce qu'on avait eu en mars de l'année dernière. Hein là, mais après c'est reparti à la hausse en, je pense mai juin, voilà. Et puis ça y est, c'était haussier. Donc on a eu ce signal vendeur. Et puis ensuite c'est reparti à la hausse. La même chose sur le pétrole. Donc aujourd'hui on est clairement dans une configuration haussière des marchés. Euh, cette hausse, en plus, elle est amplifiée par des phénomènes de folie collective, je dirais d'irrationalité. On a euh, bien sûr la voilà, GME. Idem, très beau, magnifique, etc. Ça peut casser. On a le Bitcoin. Alors Bitcoin qui a corrigé quand même, mais vous voyez ça commence à se reprendre. Et là on est sur la zone de neutralité. Donc euh, et puis je vais regarder sur un graphique daily hein, pour vous dire. Euh, voilà, on est toujours vendeur. Hein. C'est top. Hein. D'ailleurs la, la vente elle était en avril. Et vous voyez on est toujours en dessous. C'est magnifique. Ça marche super bien. Et donc là, en fait, c'est juste une question de patience, quoi. C'est-à-dire, ceux qui veulent anticiper, bon, voilà. Mais pour moi, il faudrait minimum casser ça pour avoir quelque chose de, de solide. Donc, on est sur les 41 000. Voilà, là, là, tu es toujours dans une, un double bottom. Et il faudrait minimum casser ça pour avoir un premier signal de retournement euh, à la hausse, euh, sachant qu'on n'est quand même pas encore... Euh, dans une configuration super acheteuse. Voilà, les amis, euh, je voulais conclure cette vidéo en vous disant, soyez méga prudents. Pas parce que, pas parce que, euh, voilà, je veux, voilà je, veux, je veux vous faire peur ou quoi que ce soit, mais parce que pour moi, c'est très, très malsain ce qui est en train de, de se passer. Euh, on n'est pas sur des actions genre de bon père de famille ou tout. Non, non, c'est juste des phénomènes de foule avec des personnes qui s'échangent des infos et ça marche. Et on voit bien qu'il y a un changement de donne, que même la manière d'investir de certains particuliers a complètement changé et que c'est dangereux parce que beaucoup ne savent pas ce qu'ils font. Il y en a qui sont dans la spéculation et ils maîtrisent et ils sont prêts à assumer le risque. Il y en a d'autres qui vont emprunter, qui vont faire n'importe quoi et qui vont se retrouver dans un truc qu'ils ne maîtrisent pas avec du levier, etc., qui risquent de, 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 de le payer au, au prix fort. Certains vont dire Ouais, mais tant pis pour eux, ils n'avaient qu'à. Bon, OK, moi, ce n'est pas mon style. Euh, moi, ce que je dis, c'est que euh, je n'ai pas envie que quelqu'un euh, voilà sombre dans euh, la dépression ou, ou euh, dans, dans, finalement, dans quelque chose de négatif. À cause de la bourse. Hein. La bourse, ça doit être d'abord et avant tout un investissement. Ça doit être du long terme et point à la ligne. Voilà, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Et je vous dis à bientôt. Et l'audiobook Agir, vous pouvez y accéder. On vous a mis le lien. Voilà, je vous dis à bientôt, les amis. Ciao, ciao, ciao. Bonjour, les amis. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous voulez agir Est-ce que vous voulez agir Parce que si c'est le cas, yes, je vous offre le livre audio Agir. Ce livre audio, c'est 22 euros à la FNAC. Ce livre audio, c'est 8 heures de condensé, c'est 8 heures d'énergie, c'est 8 heures de motivation. Et c'est à toi aujourd'hui. suffit de cliquer au-dessus, en dessous. Clique, mon ami! Ciao!